Salut, c'est l'heure du courrier du jour. Comme de All right. Donc, on va commencer. Ah. OK. On va commencer avec celle-là, qui est un achat eBay. EBay. Donc. Pendant que j'ouvre le courrier, je vais faire une annonce. Si il y a des gens parmi vous qui n'ont pas été remboursés par... si les gens parmi vous qui n'ont pas été remboursés par Carte d'Hockey Québec par rapport à un break qui n'a jamais eu lieu, Marc Cournoyer, donc juste pour dire que quelqu'un m'a donné les coordonnées pour rentrer en contact avec son investisseur, donc le gars qui avait le pouvoir de décider si survivait ou pas. Et que voilà, donc la raison pour laquelle on m'a demandé également de retirer la vidéo dans laquelle je le traitais quasiment de voleur et où... En tout cas, on ne reviendra pas là-dessus. Donc, voilà, c'est ça. Si vous êtes capable de voir cette vidéo-là, c'est parce que vous avez accès à moi. Donc, vous me reviendrez là-dessus et je... Fuck. Je vous donnerai les informations adéquates pour vous faire rembourser s'il y a lieu. Donc... C'était un achat eBay de Freeman. Freeman de qui j'ai déjà acheté. Est-ce que c'est... OK. Non. C'était juste une impression. C'était juste une mauvaise impression. Alors, voilà. Parce que là, je me suis fait traiter de... et des trucs comme ça. Donc, on s'entend que je me suis défendu un petit peu. Fait que voilà, ça c'était Freeman. Freeman, c'est David Freeman de Greenwood, Nova Scotia, qui est un excellent vendeur. Son nom de vendeur, c'est Freeman sur eBay. Donc, c'est un bon vendeur. C'est pas la première fois que je fais avec, puis c'est ça. On continue avec Hockey Card Junk. Hockey Card Junk qui est fragile. Ragile. Ragile. Donc, c'est notre jeune ami Alexandre, a.k.a. DC Fresh Tremblay. Donc, qui a commencé à faire plusieurs Raz Raffles, un à la suite de l'autre. Donc, qui m'a fait parvenir, ça je crois que c'est la carte de Seth Jones. Carte de Seth Jones en SPX, si je ne me trompe pas. Alors... ça c'est moi ça. J'ai trop peur de trop couper, je vois jamais assez loin. Donc, là c'est drôle parce qu'il m'écrit, ah je suis pas sûr si ma blonde n'a pas mis des cœurs puis des choses puis des petits bonhommes sourire. Ben écoute, si jamais c'est ça, je ferais comme si tu m'avais envoyé une lettre d'amour. Donc, voyez, un autre. Ça je te félicite, jeune homme. Ton enveloppe est très grande. C'est, au moins, tu as juste payé les 34. Mais bon format d'enveloppe. Deux decoys, un devant, un derrière, dans un team bag. Donc, tu fais bien tes choses là-dessus. Là. Un gros bravo. J'irai te
te voir quand je te verrai présent sur Facebook. Donc voilà, je vais en profiter de dire qu'il fait un autre raffle. Je pense à 25 cents celui-là. C'est 25 cents, c'est ridicule. Mais deux sacs, c'est cool ça. OK, mais c'est ça, le kid, il... c'est une Forsberg jersey de la série 1 Upper Deck de cette année, donc 2013-14, qui bat à 25 cents. Tu sais, c'est quand même. Il ne doit pas avoir grand frais s'il y en a, si vous n'avez pas d'argent dans vos comptes PayPal. Donc, voilà. Je ne sais pas combien de spots qu'il fait. Mais... Oui, trop de tape, mais c'est juste une opinion personnelle. Mais c'est bien correct. Donc, il me semble que j'en avais une, mais le coin n'était pas beau. Non, c'était le Ryan Strong. Fait que, voilà, au moins je sais que j'en ai une de belle. Merci, Alexandre. Donc, dans ma PC, des petits décors que j'aime beaucoup. Et je termine avec le dernier, non, le moindre. Oh, hey, une chance, ça s'est rendu. Ça commençait à s'éventrer. Fait qu'on va juste faire attention avant de. Pas coupé dans le plastique. Donc, carte de hockey. Ne mélangeons pas. Carte de hockey Québec, c'est de l'histoire ancienne. Donc, Québec Hockey qui faisait hier son case break de Crown Royal. Donc, un gros merci. Ah ouais, t'as manqué de plastique à ce point-là. Seigneur. Bon, donc, Québec Hockey qui faisait son case break hier, case break de Crown Royal. Il y a des belles cartes qui sont sorties. Il y a une de Peter Mrazek qui est sortie. Là, je suis juste un petit peu mal à l'aise. Tout ce que je dis de pas faire. My God. Mais fais ça à moi! C'est là toute ton appréciation. J'espère qu'il n'y a pas de Young Guns là-dedans. Et pourtant, ça a l'air juste des Young Guns. Pourquoi moi, pourquoi pas un autre? Ce qui me fait penser qu'il vient de s'associer à Steve de Collect Card. Alors, une belle Elias Lindholm qui est plus trop belle, en tout cas c'est pas un 10. Un bel Ryan Strong, une belle Thomas Chicky, une belle John Gibson que j'ai trois fois, une belle Rickard Rackel. Qui est correct. Une belle Max Reinhardt. Une belle Reto Bera. Une belle John Gibson. Un autre Thomas Chiquet. Un autre Thomas Chiquet. Un autre Thomas Chiquet. Et Ryan Strong.
cause de mes relations que tu me fais ça. Fais un petit bonhomme sourire. Ça sent les saucisses, ça va être bon. Le pire, c'est que j'ai fait chauffer juste pour pas épelle. J'ai l'impression qu'on va dîner aux saucisses. Un petit dîner bavarois. Ah, j'ai pas de choucroute. Je n'ai rien à dire contre la choucroute. Une autre Rookie Materials. Donc, Sean Monahan, Greg Torbera, Elias Lindholm. C'est-tu la même que tantôt? Ça va être qu'on pense. Non, l'autre, c'est la rétro. Ici. John Tavares, Jordan Stahl, Eddie Udler, Matt Stajan, Brock Nelson. Oh, une autre vidéo de prêtre. Pour ceux qui veulent aller voir les vidéos, là, j'en ai déjà mis trois depuis un matin. Malheureusement, il y en a une que j'ai mis deux fois. Je me suis pas rendu compte. Mais c'est le... justement c'est la vidéo qui dit de pas faire ça. Oh, tabarnak. Bon, ici, au moins, vous voyez, ça, c'est bien. Masking tape. Et ça laisse pas de traces. Ça s'enlève bien. Et si vous êtes comme moi, ça se récupère. Ah. Bon. Ah, et de ça, je pense qu'il était de 25. Et voilà. Tu mets l'eau, la mets papa, ben tu mets là. Ryan Strome. Donc, Ryan Strome. Puis là, ça a l'air que je vais faire une PC de Thomas Seki parce que j'ai juste pogné des belles Thomas Seki hier. Fait que. Voilà, Thomas Seki, Ryan Strome, nouvelle PC. Fait que c'est cela. J'ai pas remarqué si Michael avait posté d'autres trucs. Fait que. Petit merci, Michael, pour mes cartes. Et. C'est ça. Donc. Alex, si j'ai la chance, parce qu'aujourd'hui je suis très occupé, si j'ai la chance de passer à la poste avant que ce soit cueilli, je ferai ça. Sinon, ça risque d'être au cours du week-end. Ma femme est en congé ce week-end, donc j'aurai la latitude d'y aller à ma guise. Puis en même temps, j'attends des paiements, parce que comme j'ai dit dans une vidéo qui vient de se terminer, ça m'a coûté plus cher que prévu la poste, donc je vais attendre d'avoir un peu de liquidité pour pouvoir effectuer l'envoi. Mais n'aie crainte, ton enveloppe, elle est déjà prête. Donc voilà, 11h52, ça va être l'heure du dîner. On va en profiter pendant que Lily dort pour préparer son dîner. Donc, je vous souhaite encore une fois un excellent week-end, une bonne fin de journée, un bon vendredi soir à ceux qui aiment les vendredis soirs. Donc, c'est vendredi, faites l'amour. Et on se revoit une prochaine fois, ce qui me fait penser que j'ai une transaction à faire. J'ai quelqu'un qui vient me rencontrer sur le coin de la rue alors que je vais accueillir les enfants. Pour ces deux cartes. Alors, apnoustan. Pas peur.